Coucou tout le monde, alors j'espère que vous allez tous bien. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons nous lancer dans D3 parce que je le trouve sans sas et il vaut le coup d'être joué, il vaut le coup d'être vu si vous n'avez pas la possibilité de le jouer. Donc l'ayant terminé là pour l'instant, je suis sur mon menu de fin. Donc on va reprendre une nouvelle histoire. Poursuivre la vie, on va dire la vie entre guillemets, quoique les guillemets sont pas forcément obligatoires, donc la vie de trois androïdes. Alors, on est parti. Ici, toi, là. Commencer une nouvelle histoire. Vos points de sauvegarde précédents seront remplacés. Ah, ça m'efface tout! Oh, c'est pas cool. Il pourrait y avoir au moins non, c'est pas cool du tout. Je sais pas si je vais reprendre la nouvelle histoire ou si je vais bon, allez, c'est tant pis. De toute façon, je l'ai terminé, donc bon, pas grave. Je sais pas si vous l'entendez, hein, mais j'ai un avion en réaction en guise de console de jeu. Ou alors une fusée, je sais pas trop. Un aspirateur peut-être aussi. Donc ça commence, je crois que j'avais fait, enfin je crois, c'est certain, j'avais fait une vidéo de la démo. Donc ça commence, il me semble, par la démo, quoi, parce qu'elle était faite en démo. Alors les premières informations, on est dans la maison d'une famille. Caroline Phillips, née le 23 mai 2001, domiciliée 1054 Park Avenue à Détroit. John Phillips, né le 11 octobre 1999, domiciliée à la même adresse évidemment. Et Emma Phillips, née le, blanc sur blanc j'ai du mal à voir, le 2 septembre 2028, domicilié à la même adresse, à Détroit. Voilà le petit plan de la petite famille, la petite photo. Un petit poisson. Alors, bon, laisse-moi le temps de lire. Choisissez en effectuant le bon mouvement. Ah ben on va sauver. Enfin, pauvre petit poisson, on le remet dans l'eau. Et là, on a marqué instabilité logicielle. Donc, je ne suis pas sûre que c'était une bonne idée. Oh, je vous en prie, vous devez sauver ma petite fille. Quoi ? Oh, déception. Vous avez envoyé un autre œil ? Venez, madame, vous ne pouvez pas rester. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez envoyer un véritable être humain. Comment on fait déjà pour changer les plans? R2 pour consulter. Allez, hop. Voilà. Alors, les objectifs. Faut qu'on aille parler. Commandant Allen, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par CyberLife. Cet androïde tire sur tout ce qui bouge. Il a déjà descendu 2 de mes gars. On pourrait facilement descendre, mais ils sont sur le rebord de la terrasse. S'il tombe, elle tombe aussi. Alors, son nom.
comportement. Savez-vous s'il s'est déjà comporté étrangement auparavant? J'en ai aucune idée. Ça change quelque chose? J'ai besoin d'informations pour déterminer la meilleure approche. Un choc émotionnel. Savez-vous s'il a récemment vécu un choc émotionnel? Écoute, la priorité, c'est de sauver cette gamine. Alors occupe-toi de ce putain d'androïde, ou c'est moi qui m'en occupe. Alors, car j'ai pas eu le temps de voir. 48% de probabilité de réussite. Il faut sauver l'otage à tout prix et comprendre ce qui s'est passé. Bon, alors. Déjà, on fait le petit tour pour voir s'il y a quelque chose à voir d'autre dans la pièce que ceci. Alors, je crois que j'avais dit des bêtises en plus dans la démo. Là, j'ai mal lu. Alors, Black Hawk. Capacité 17 balles, 9 mm. Longueur totale 20,32 cm. Canon 12,7 cm. Il n'est évidemment pas là. Là, c'est des munitions de calibre 9 mm. Vitesse initiale 365 mètres par seconde par énergie. Par seconde, oui, c'est par énergie 659, ça doit être des joules, je suppose. Si c'est un J. Pas dire de bêtises, mais je pense que c'est ça. Poids de la balle 115 grammes. Facteur de puissance 414K. Et là, on peut reconstituer ce qui s'est passé. Alors, il a pris visiblement la mallette avec son arme en haut de l'armoire. C'est l'arme du père, mais c'est pas le sien. Alors, on va aller voir. Ici, ça reste pas si longtemps, j'ai pas le temps de voir, mais bon, c'est pas grave. On jette un oeil dans la salle de bain. Je sais pas pourquoi on regarde, parce qu'il y a rien à y faire en fait. Enfin, il me semble pas, j'ai pas encore. À moins que il y ait un chemin que j'ai pas remarqué. Alors, des écouteurs qui sont encore en marche. Elle n'a pas entendu les coups de feu puisqu'elle avait le casque sur les oreilles. Il a un sourire bonnet, je trouve. Donc, il s'appelle Daniel. Oh, c'est pas resté assez longtemps. Allez-vous-en ! Dégagez, je vous dis ! Partez ou je saute ! Oh, je repars par là. Je sais pas comment... Bonne direction. Voilà. Alors, fouiller la chambre, c'est fait. Les journalistes sont sur le toit. Mais bon, on est au courant. C'est le soir, ils allaient se mettre à table. Oh, ça m'a fait sursauter. C'est bon.
Semble frais, modèle PL600, série, c'est pas grave. Pour l'instant, on va s'occuper de lui parce qu'on est dans le coin. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le coin? Blessure par balle de calibre 9 mm, perforation du ventre quai droit, hémorragie interne. Il a pris directement une balle dans le cœur. Décédé, ça on a remarqué. Officier Anthony Descartes, taille 1m76, poids 77 kg, heure estimée de la mort 20h03. Et là, il y a des traces sur la main. Résidus de poudre, stiffnate de plomb, trisulfure, d'antimoine, un seul coup. Ok, et donc là, comme on a tout trouvé, on peut reconstituer. Hop, notre petit mannequin se lève, on peut tourner autour et un indice. Donc il y avait l'otage qui était à côté, tenu par l'assaillant, par le preneur d'otage. Hop, on peut reculer là. Donc il a tiré sur le déviant. Non, il faut aller dans l'autre sens parce que là on ne trouvera plus rien. Je crois. Donc il a tiré sur le déviant. Et il s'est fait tirer dessus tout de suite après. On voit l'arme qui a volé, qui a été projetée sous la table. Voilà. Arme localisée, donc débloquée. On va pouvoir la récupérer. Alors, saisir. Voilà. Alors, est-ce qu'on est bête et discipliné comme un bon androïde et on prend pas parce que c'est interdit? Ou est-ce que on réfléchit un peu? On montre qu'on a quand même un cerveau malgré tout et on prend. Je vais le faire pour l'instant bête et discipliné. Il sait qu'il n'a pas le droit d'en avoir un. C'est une pièce à conviction en plus. Donc on n'y touche pas. Oh, waouh! Ça, c'est la chaussure de la petite fille qu'elle a perdue dans l'action. On attend quoi, Auguste? En vrai, la balle, c'est pas machin qui est en ligne. Alors, ensuite, est-ce que je vais pas repartir là-bas? On va aller là. Donc, on va voir qui c'est. John Phillips, le père de famille, taille 1m82, 84 kg, heure estimée de la mort, 19h29. Qu'est-ce qui lui est arrivé à ce beau gras? Hémorragie de la partie supérieure du poumon, pneumothorax, avec calibre 9 mm qui a été pris dans la chambre. Hémorragie de la partie inférieure du poumon, hémorragie interne. Bah, de toute façon, là, poumon perforé des deux côtés. Et rein gauche perforé, traumatisme abdominal mortel. Comme ça. Hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il va nous apprendre? Il regarde derrière lui. Ok, il doit avoir quelque chose dans les mains. Une tablette. Ok.
Alors bon, on repart en arrière. Et là, la tablette a été projetée là-bas. Ok, donc il allait être remplacé par un modèle sûrement un peu plus récent. Voilà. Oh, ça c'est, je sais pas si c'est important, c'est un magazine, donc on va le laisser. Tranquille, fais pas un pas de plus ou je saute. Non, ne fais pas ça, je t'en supplie. Bonsoir, Daniel. Comment? Je m'appelle Connor. Comment tu connais mon nom? Je sais beaucoup de choses sur toi. Je viens de sortir de ce mauvais pas. Bon, c'est un dessin. Ça veut dire qu'il va falloir reprendre. Gagner sa confiance. Je sais que tu es en colère, Daniel. Mais tu dois me faire confiance. Je suis là pour t'aider. Je veux pas ton aide. Personne ne peut m'aider. Je voudrais juste que tout s'arrête. Je veux juste que tout s'arrête. Je sais qu'Emma et toi étiez très proches. Tu penses qu'elle t'a trahi, mais elle n'a rien fait de mal. Elle m'a menti. Je croyais qu'elle m'aidait. Mais j'avais tort. Finalement, elle est comme les autres humains. Daniel, non! Il perd du sang. Si on ne le conduit pas à l'hôpital, il va mourir. Tous les humains finissent par mourir. Quelle différence si celui-ci meurt maintenant? Je vais lui poser un carreau, d'accord? J'ai pas pris l'arme. Je suis en train de me demander si j'avais pas mieux fait de le prendre. Ignorer. Tu ne peux pas me tuer. Je ne suis pas vivant. Parce que je vois pas trop, sans lui tirer dessus, comment je vais réussir. Enfin, on verra. Il voulait te remplacer par un autre androïde et ça t'a contrarié. C'est bien ce qui s'est passé. Je pensais faire partie de la famille. Je croyais que je comptais. Mais c'était que leur souhait. Un objet qu'on jette une fois qu'on l'a utilisé. Il n'y a pas d'issue, Daniel. Ce que tu as fait est trop grave. La seule question est de savoir si tu vas faire une autre victime innocente. Ce n'est pas ton choix. La balle est dans mon camp. Si je meurs, elle meurt aussi. Oh, oui, tu m'entends? S'ils ont moyen de le tirer dessus, ce serait bien. Je peux plus supporter ce bruit. Fais dégager cet hélicoptère, non, maintenant. J'ai besoin d'eux. Je ne pense pas qu'ils m'écouteraient. Tu dois me faire confiance, Daniel. Libère l'otage, et je te promets que tout se passera bien. J'ai glissé à 79%, j'ai fait mieux avant. Et je veux une voiture. Quand j'aurai quitté la ville, je la laisserai partir. Trouver un compromis. Ce n'est pas possible, Daniel. Libère la fille, et je te promets qu'on ne te fera pas de mal. Je veux pas mourir.
Tu ne vas pas mourir, nous allons simplement discuter. Il ne va rien t'arriver, tu as ma parole. Ok. Je te fais confiance. Ah, les enfoirés. Ok. Ciao. Bye bye, la confiance. Ah oui, là. Tu m'as menti, connard. Tu m'as... En fait, il aurait pu se passer la même chose en faisant partir l'hélico. Il aurait peut-être pas tiré dessus. Je garantis rien, mais... Alors, voici l'arborescence de la scène. Ici, vous pouvez consulter les chemins que vous avez pris, ceux qui restent à explorer et les possibilités que vous avez déverrouillées. Chaque embranchement vous confère des points à utiliser dans les suppléments. En raison de la nature du jeu, certains embranchements et dénouements ne sont pas pris en compte dans l'avancement de l'arborescence. On va essayer de ne pas trop s'éterniser là. D'accord. Donc là, ça fait des snipers ont abattu le déviant. Sur ma partie d'avant, c'est un peu dommage que c'est tout que ça y est effacé quand même. Sauvegarde, il y avait, je crois pas qu'il avait été débloqué ce chemin. Ah, si, c'est resté enregistré, on dirait. Que j'avais fait. Ok. Sauver le poisson, ouais. Ok. Bon, et ben on continue. Cette fois-ci, si vous avez vu l'autre vidéo, vous n'avez pas vu la suite. C'est un assistant ménager au diable. Il connaît 10 000 recettes. Allez Zoé, on y va. Et vérifie les devoirs des enfants. Super, un magasin d'Android. Wow. On dirait une grosse boîte de poupées. Spécial sur toute la gamme à 7 999. Il effectue absolument tout l'entretien de l'estime. Peinture, plomberie, jardinage, réparation. La nuit, il passe en mode surveillance et contacte les services d'urgence en cas d'intrusion. Ouais. C'est moins cher qu'un employé. Le prix du MP 800. Il n'y a pas le salaire à. Mais il inclut beaucoup d'autres fonctions. Je peux vous le montrer par ici. Il n'y a pas le salaire tous les mois à payer. Et voilà. Salut toi. Ça n'a pas été facile de la remettre en état de marche. T'as une sale tête. Elle était vraiment amochée. Vous dites qu'il lui est arrivé quoi déjà? Une voiture l'a renversée. Mm-hmm. Un accident stupide. Ah, je vois. Enfin bref, elle est comme neuve maintenant, sauf qu'on a dû l'informater. En gros, on lui a effacé la mémoire. J'espère que ça vous va. Ça va aller. Ok. Vous lui avez donné un nom? Ma fille, oui. AX400, enregistre ton nom. Kara. Je m'appelle Kara. Thank you.
5 novembre 2038. 9h38. Ah, on change de personnage, on dirait bien. Alors, faut se rendre à la boutique Bellini. Voilà. Attendez que je vous aide. J'ai pas été voir si je pouvais aller là, se promener un peu. Non, d'accord. Donc son chemin est... Alors, est-ce qu'il y a des choses intéressantes à repérer? Ok, il faut prendre cette direction-là. On peut pas faire un petit détour pour se promener un peu? Oui, nous c'est sûrement. Elles sont censées nous servir et pas vous remplacer. C'est un petit peu contradictoire quand même. Ok, on est dans la bonne direction. Ah, c'est même ici. Identification vérifiée. Voici votre commande numéro 847. Ça fera $63.99. Merci de confirmer. Paiement confirmé. Ouais. Ok. Android connecté entre eux. Prendre le bus pour rentrer. Alors, oui, je sais. Je pense que je suis dans le bon endroit.
c'est bien là. Ah non, c'est plus loin, je le voyais. Sans Android, déjà, il n'y a pas de boulot, alors. Voilà. Alors, avec là, c'est Marcus. Tout à l'heure, on a eu Kara, Marcus et Connor. Les trois ont été présentés. Et je vois que j'aurais pu être un petit peu plus curieuse. Mais bon, à chaque fois, ça m'envoyait. C'est comme ça. Lire le secret des androïdes. Ouais, c'est des livres. Bon. Et ah, le musicien russe, c'est dommage. Je crois que je l'avais écouté la première fois. Enfin, sur la partie d'avant. Ok, bon, c'est pas trop grave. Tant pis. Je crois qu'on va continuer. Et peut-être arrêter à la prochaine. Quand ils seront arrivés. Et on continuera après sur une autre vidéo. À très bientôt. T'as été absente 2 semaines, alors il y a plein de bazar. Tu vas faire le ménage, la vaisselle, nous faire le repas, et tu vas t'occuper de... La porte, elle est où, cette salle de leçon? Alice! Alice! Ah, voilà, Alice, tu dois t'occuper d'elle. Les devoirs, le bain, tout le bordel. Pigé? Oui, Tom. Tu commences en bas, après tu vas à l'étage. Ok, le père de famille, on va dire. On va rester poli pour l'instant. Voilà, oui, c'est bon. Le père de famille veut Bobonne à la maison. Donc, eh ben, on fera un petit peu de ménage dans une autre vidéo. Après le faire en vrai, on va le faire virtuellement. C'est sympathique. Je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu. Ça encourage et ça montre un petit peu que vous voyez. Voilà. Ça, en tout cas, ça encourage. Qu'est-ce que je veux dire? Et aussi, si vous n'y êtes pas, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Voilà, je vous dis salut, à bientôt. Allez, ciao, ciao.